Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit sourire. C'est super, c'est génial, un petit bisou. C'est super, c'est génial, un petit bout. C'est super, c'est génial, un petit bout. C'est super, c'est génial, un petit bout. Voilà, c'est super. Qu'il n'est pas bon d'être heureux seul. Cette maxime, monsieur le ministre Emmanuel Esmel et fils nous l'enseigne ce jour. En venant les mains chargées, non de petits souliers, mais d'un grand nombre présents pour le bonheur des enfants du département de Tabou. Monsieur le ministre, bien, 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 Saint-Saint. Monsieur le ministre, votre nom, comme le dit monsieur le maire Emmanuel, Dieu est avec nous. Et je demande à ce qu'on vous applaudisse. Partez! Liguez la musique pour les accompagner! On tape les noms, les enfants! Merci beaucoup. Merci parce que vous êtes venus très nombreux pour ce meeting alors que c'est une fête des enfants. Vous êtes venus spontanément, sans qu'on vous ait convoqué, sans qu'on vous ait convoyé. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'enfant. Donc aujourd'hui, nous sommes là avec nos enfants pour que chacun de nous soit interpellé sur la nécessité de vivre ensemble. Parce que c'est ensemble que nous pouvons apporter le développement dans notre région. C'est ensemble que nous pouvons apporter le bien-être et construire cette région pour ces enfants qui sont là. Avec l'air du Père Noël, le ministre Parrain, le ministre Cécile Emmanuel. Au niveau de la régie, on va avec un son de Noël, car la remise va démarrer maintenant et tout de suite. C'est parti. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets. Je me nomme Akpa Olivia Charlène. C'est ma fille Laurane. Merci, merci à Papa Essis d'avoir organisé cette fête pour les enfants. Je me nomme Koulibaly Noura Aïcha. Merci Papa Essis d'avoir donné mon cadeau. Je me nomme Emelio Maria. J'ai 10 ans. Je suis contente d'avoir ce cadeau. Je remercie Papa Essis Emmanuel. Bravo. Merci à vous, papa. Je n'ai pas été tous les jours dans un sage.